Bonjour à tous, bonjour, bonjour. Ce matin, j'ai quelque chose à vous expliquer. C'est Thérèse Basé, c'est la voix de sans voix. Ce que je vais vous dire ce matin, ça me fait très mal, je vous jure. Est-ce que vous savez que hier, j'ai failli crever, j'ai failli mourir? Et j'étais dans un taxi, on est quitté à la conférence de presse de Drôle de femme. Et donc, je rentre. On vient arriver à Djamé du côté de la gendarmerie. Il y a un jeune là qui dit, un Gbaka, il a Dabagaou. Il dit à l'autre, au notre, moi mon taxi de quitter. Mais on était coincé, coincé, serré, serré, il ne pouvait pas. Et donc, l'autre a dit, si tu ne me laisses pas passer, tu ne me laisses pas passer. Et puis, il a foncé sur notre taxi. Moi, de mon côté, puisque le chauffeur, il est à gauche. Il a foncé sur le taxi comme ça. Et j'ai eu peur. J'ai tremblé tout le temps jusqu'à. J'ai tremblé tout le temps jusqu'à chose à la maison. Vous voyez, aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi l'État permet aux Baka d'avoir des Dabagaou. C'est parce qu'ils ont des Dabagaou qu'ils conduisent mal. Hein? Ils conduisent mal. Comment tu peux foncer sur un taxi parce que toi, tu as Dabagaou? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas du tout bien. Les accidents qui se font à tout moment, à chaque minute. On ne sait même pas qu'est-ce qui les provoque. Aujourd'hui, moi, je suis ce qui provoque. C'est laisse-moi passer. Je veux passer. C'est ça. Et quand tu n'y arrives pas, tu veux cogner, tu viens cogner l'autre. Et puis tu dis, tu t'en fous, toi, tu as assurance. Est-ce que assurance a une fois réveillé l'homme? Assurance est réveiller quelqu'un. Assurance ne peut pas réveiller quelqu'un. Assurance ne peut pas réveiller quelqu'un. Toi qui as fait ça hier, moi, je te laisse avec Dieu. Parce que je ne sais pas quoi te dire. Je ne sais pas quoi te dire. Tu savais qu'il y avait un passager dans le taxi. Parce que toi, tu es en hauteur, tu voyais dans le taxi. Pourquoi foncer comme ça? Qu'est-ce que tu as voulu faire? Qu'est-ce que tu as voulu faire? Qu'est-ce que tu as voulu faire? Tu sais, tu voyais, tu savais qu'il y avait un passager, mais tu ne savais pas c'était quel passager. Pour rien comme ça, tu veux tuer quelqu'un. Parce que tu veux passer. Toujours pressé. Toujours pressé. Les gens sont pressés pourquoi? Ils vont où? Ils vont où? Moi, je ne vous comprends pas. Moi, je pense que le gouvernement doit voir ça. Vous avez mis des dodans à l'intérieur. Vous n'avez pas mis ça ici. Vous n'avez pas mis ça sur l'autoroute du Nord. Vous n'avez pas mis ça. Donc, du coup, les gens font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Ils font du mal aux gens. Ils tuent les gens gratuitement. Et puis, ça ne va pas quelque part. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas normal. Je suis fâchée. Je suis très fâchée que le gouvernement se réveille pour régler cette histoire-là. Le gouvernement doit se lever pour régler cette histoire-là. Attends. Ce n'est pas comme ça on fait. Ce n'est pas comme ça. Parce que toi, tu as Dabagaou. Le gros fer qui est devant là, c'est ça qui est Dabagaou. Tu as Dabagaou, tu fonces sur les gens. Tu veux tuer quelqu'un. Hein? Mais quel jour tout ça, ça va s'arrêter? Chaque jour, la route ivoirienne tue. Chaque jour, la route ivoirienne tue. Es-tu pourquoi? C'est parce qu'il y a des mauvais chauffeurs. Il y a des mauvais chauffeurs. Ils sont là, ils ne conduisent pas bien. J'ai l'impression qu'ils ont payé leur machin. Et quand ils boivent le café noir, et puis ils ajoutent, comment il s'appelle, Kalao, ils disent que Kalao n'aime pas foutaise. Et ils font tout ce qu'ils veulent. Moi, je pense que le gouvernement doit se lever pour régler cette histoire-là. Cette manière de conduire comme un animal. Parce que quand ils conduisent, c'est leur côté animal, tu vois. Hein? Quand il a Dabagaou, là, il fait peur. Donc, que le gouvernement se lève. Que le gouvernement se lève pour mettre des dodans partout. On en a besoin. On en a besoin. Hein? Il file tellement que deux fois, quand un enfant même veut traverser, même si, ou bien quelqu'un veut aider un enfant à traverser, et l'enfant, et la personne, beaucoup, ils sont étalés là. Et on met bas sur eux. C'est pas bien. C'est pas bien. Le gouvernement n'a qu'à voir ce qu'il peut faire. Quelle est cette grosse mouche là même? Oh. Le gouvernement n'a qu'à voir ce qu'il peut faire. C'est pas juste. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Je ne peux pas supporter ça. Ce n'est pas bien. C'est quoi ça? C'est quoi? Hein? Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Hein? Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Je suis vivante. J'ai béni le nom de Dieu. Mais celui qui a fait ça hier, lui, je le confie à Dieu.
Il faut que Dieu le délivre, qu'il le, il enlève un esprit de d'accident dans sa tête. Sinon, c'est pas bien. Hein. C'est pas bien. Bonne journée à tous. C'est Thérèse Bazé, la voix des sans voix.